On est partis tous les deux traverser le pays, partis s'amuser un peu comme si nous étions petits. On est partis traverser le pays, on est partis. Samedi 1er mai, 11h20, on couche sur le bord de la route 11, Ontario. On est partis un matin. On a du fun. Il neige, il fait froid. On se couche, il est fatigué. Tout va bien. On s'amuse. On a fait beaucoup de routes. On a fait à peu près 900 km aujourd'hui. On a fait un petit arrêt sur le diminué chez notre ami Jean-Michel pour le dernier préparatif. Alors, je vous présente mon coéquipier, Étienne Saint-Arnaud, un ami que j'ai rencontré dans les scouts il y a une quinzaine d'années. Et vous allez voir, c'est un gars qui est assez drôle. Notre première journée est faite. Après une longue traversée du Canada en voiture, nous étions enfin à Prince Rupert, notre point de mise à l'eau. Le passage intérieur, c'est une partie de l'Alaska. En fait, c'est la zone sud-est de l'Alaska qui se trouve juste à côté du Canada. Notre projet, c'était de partir de Prince Rupert, de remonter à travers les îles du passage intérieur en Alaska pour aller faire l'ascension du mont Fairweather. 4663 mètres d'ascension sur une voie de glace et de neige. Beaucoup de préparatifs pour cette expédition et longtemps d'avance. Une partie de ces préparatifs était notre entraînement physique. Nous avons beaucoup travaillé nos techniques d'alpinisme. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience là-dedans, alors on a pris des cours pour réussir à bien maîtriser les techniques pour se cramponner à la montagne. On a aussi pris des cours en prévention des avalanches parce que sur le mont Fairweather, c'est un danger qui est omniprésent. Notre kayak était de fibre de carbone et Kevlar et ne pesait que 35 kg. C'est une merveille de rapidité. Nos entraînements se déroulaient sur le fleuve Saint-Laurent l'hiver, étant donné qu'on partait très tôt au printemps. Mais retournons à Prince Rupert. Malgré tous ces préparatifs, longtemps d'avance, c'était la première fois qu'on avait tous les équipements rassemblés pour l'expédition. Notez qu'à ce moment, tout le nécessaire à la montagne avait été envoyé par la poste au village de Gustavus, près du mont Fairweather. Alors, ça faisait beaucoup d'équipements. On se demandait si vraiment tous ces équipements-là allaient entrer dans le kayak. Selon vous? Thank you.
Nous étions contents de savoir que tout entrait dans le kayak, mais là, on a dû se rendre compte que 200 kg d'équipement, c'est un peu pesant pour la mise à l'eau. Alors, on a décidé d'en enlever un peu. Question d'être capable de le déposer sur l'eau. Ça rentre. Et regardez ce qui s'est passé. On garde ça pour le bêtisier. Sur l'eau, nous quittions les dernières agglomérations pour 600 km de nature. On a alors rencontré nos premiers mammifères marins. Ça, c'est des marsouins communs. On a aussi rencontré nos premiers phoques. Les phoques étaient difficiles à approcher là-bas, car la minute qu'ils nous voyaient, ils plongeaient à l'eau pour être plus à l'aise et se protéger. Comme dans tout groupe, il y a toujours des paresseux. Les premières journées ont servi à établir une routine, c'est-à-dire on pagayait environ 6 à 8 heures. Ensuite, on arrêtait et on montait notre campement. Une de nos craintes durant nos préparatifs, c'était la présence de grizzlies en Alaska. Des bêtes qui peuvent peser de 200 à 650 kg si on parle d'un Kodiak, qui debout peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres et courir à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Alors, si on compare avec une bête qu'on connaît un peu mieux, c'est-à-dire l'homme, des bêtes qui peuvent peser de 70 à 90 kg, si on parle d'un Étienne, qui, debout, peuvent mesurer 1,80 m, toujours dans le cas d'un Étienne, et qui peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 35 km/h sur l'asphalte avec des souliers de course. Alors, si on se fie aux chiffres, nos craintes étaient fondées. Pour ne pas avoir de problème, on avait certaines règles à suivre. Une partie de ces règles concernait les odeurs de nourriture. Alors, il fallait cuisiner à une certaine distance de la tente. Il fallait laver la vaisselle immédiatement après les repas. Il fallait pas dormir avec de la nourriture dans la tente. Et ça, ça inclut le dentifrice, le savon et tout ce qui pouvait avoir une odeur. Une autre règle, c'était qu'on avait du poivre de Cayenne en permanence sur nous. Du poivre qui allait pouvoir nous aider à éloigner des grizzlies trop curieux. Mais je dois vous dire que le grizzly, c'est pas un prédateur de l'homme. Il se méfie de nous. Bon, ben, salut tout le monde! Bon, fin de la troisième journée. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui... On a eu un vent de face pas mal toute la journée. Ouais, puis il a plu aussi. Ouais, il a mouillé pas mal toute la journée aussi, hein. Ouais. Ouais. Fait que là, on a arrêté après une bonne journée. On a fait quoi, 40 km à peu près? Un petit peu moins. À peu près. On a trouvé une belle plage. Avec des traces de carcajou. Puis là, ben, on a monté notre tente et puis... C'est changé parce qu'on était tout trempé, parce que nos bas étanches étaient peut-être pas aussi étanches qu'on pensait. Puis après s'être changé, ben on s'est dit on va rentrer dans nos sleeping. Hein. Quoi de mieux que de rentrer dans son sleeping à la fin d'une bonne journée? Ouais. Fait que j'ai ouvert mon slip, puis mon slip à moi il était trempé. Fait que moi je suis parti à rire. La pluie a raison. Puis finalement, elle m'a mis aussi. Fait que là, on rit plus. C'est trois jours, j'espère juste, ça ne reste pas 40 jours de même. Là. Mais on a du fun. Avec notre entrée dans cet endroit qui s'appelle le Mystifior, une nouvelle difficulté est arrivée sur notre trajet. C'est que les roches sur les rives sont recouvertes d'un mollusque qui s'appelle la balane.
et la balane se forme une carapace très très solide pour se protéger des agressions. Le problème, c'est que quand la marée était basse, eh bien la balane se retrouvait à l'extérieur de l'eau, et ça, c'était vraiment très mauvais pour notre kayak. Moi, je les ai appelés les dents de la mer. Ce qui fait qu'après seulement 9 jours d'expédition, le kayak prenait l'eau à l'avant et à l'arrière. Alors, on n'a pas eu le choix de le réparer et on avait seulement le quart du trajet de fait. Déjà, on utilisait notre seul nécessaire à réparation. Durant nos préparatifs, j'avais dit à Étienne que j'aimais bien faire des siestes au cours de la journée. Et lui, il m'avait dit « Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire pendant que tu vas dormir? » Mais il semble qu'après un certain temps, mes habitudes soient devenues un peu contagieuses. Remarquez ici la veste de sauvetage qui sert d'oreiller et de pare-soleil. Les siestes, ça fait vraiment partie des plaisirs d'expédition. Mais comme tous les plaisirs, il y a un prix à payer pour ça. Et dans notre cas, c'est la marée qui s'est chargée de nous le rappeler. Pas parce qu'elle est venue nous mouiller les pieds, mais plutôt à certains moments où on décidait de prendre une pause et dormir, eh bien, elle s'en allait doucement et regardait la distance sur laquelle parfois on devait transporter nos équipements pour retourner à l'océan. Je vous rappelle qu'on a encore 200 kilos d'équipement. Sur nos cartes, à la sortie du Mystifjord, on avait vu la présence de sources d'eau chaude. Alors on a essayé de trouver cet endroit-là. Mais à l'approche, il y avait des installations privées. Et en allant accoster sur le quai, il y a un gardien qui est arrivé avec son 4 roues et qui nous a dit que l'île au complet appartenait à un riche Américain, que lui était le gardien et que la baignade était interdite. Mais Rich et sa femme Teddy n'avaient pas vu personne depuis 45 jours. Alors ils ont décidé de nous inviter. Belle Island, ça fait partie de l'histoire de l'Alaska à cause de la contrebande d'alcool qui s'y est déroulée au début du 20e siècle. Ces lieux furent le théâtre de fusillades entre forces de l'ordre et contrebandiers. Mais de nos jours, c'est plutôt calme, avec nos amis les gardiens et leur chien Smokey qui entretiennent les lieux et leurs relations avec le voisinage. Ici, les jets Stellar. Et là-bas, les Grizzly. Cet endroit a été une occasion pour nous de recharger nos piles, de faire un peu de lavage, de manger les délicieux repas de Teddy et surtout de nous laver. Yeah, tu te sens frais. Thank you.
tiens à dire qu'il n'y a aucune bête qui a été blessée durant ce tournage. L'aventure, ça force une ouverture des sens. Une ouverture des sens qui rendrait fou, ici en ville, mais qui, là-bas, garantit la sécurité. Et avec le temps, on s'est mis à voir de plus en plus de choses, entre autres, les baleines bleues. À partir de notre 21e jour d'expédition, la pluie s'est mise à tomber à tous les jours. Vous comprendrez que ces journées-là, le plaisir d'expédition, c'était pas de faire une sieste, mais plutôt de se changer en linge sec à la fin de journée et de manger un délicieux repas cuisiné par le chef de l'équipe. Elle est bonne, ta cuisine. Ça fait plaisir. La recette, là, c'est de pas suivre la recette. J'en reviens pas pareil. Après 3 semaines dans le bois, à quel point qu'on peut devenir primitif. Retour aux sources. Hey, il n'y a pas grand-chose qui dérange. Hein. Attends-moi, s'il te plaît, avant le dessert. Bon, pourcentage de l'apport quotidien. N'oublie pas, faut que j'en mange plus que toi, hein. Une calorie. Ah, oh, mais tu disais que tu voulais maigrir. C'est fait. C'est fait. Ça me prend l'énergie pour la montagne à cette heure. 21 jours de kayak. Il a perdu 20 litres. Non, pas 20. Pas encore. Pas encore. 15 certains. Ma mère ne me reconnaîtra pas. Il y a du verre. C'est pas grave. La nuit passe, et le lendemain, si on veut se garder du linge sec pour le soir, eh bien, il faut remettre le linge trempé de la veille. C'est. L'aventure, c'est toujours un voyage dans l'inconnu. Et qui dit inconnu, dit aussi doute. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait du bon et du mauvais doute. Le bon doute, c'est celui qui nous fait penser qu'on n'atteindra peut-être pas notre objectif et qui va nous faire travailler plus fort pour l'atteindre. Le mauvais doute, c'est lui qui nous fait croire qu'on n'atteindra pas notre objectif, que c'est trop loin, trop difficile. Alors il s'agit de garder le bon doute pour soi et de rejeter le mauvais doute. Par chance, avec un coéquipier, ben, ça permettait d'en parler et parfois même d'en rire de ce doute. Mais à des moments, il se passe des situations qui sont inexplicables, presque mythiques. Comme cette fois, où on aurait dit que tous les aigles qu'on avait rencontrés depuis le début de l'aventure s'étaient rassemblés. Rassemblés pour nous dire que c'était des esprits, mais pas des mauvais, des bons esprits, qui étaient là pour nous guider à travers notre aventure. J'avais l'impression de subir une initiation à la spiritualité des Tlingits, ce peuple autochtone qui a vécu pendant des millénaires dans ces lieux et pour qui la terre, la mer, les aigles, les animaux, eh bien, c'était des esprits. Des esprits qu'il fallait respecter. Il y avait beaucoup de sagesse dans cette façon de voir la nature et peut-être qu'on devrait s'en inspirer de nos jours.
Le vent a certainement fait partie des obstacles les plus difficiles à notre progression. Presque toujours de face, il nous poussait des vagues dans lesquelles le kayak plantait. Et quand on décidait de prendre une pause, il tournait le kayak de côté, et là on reculait à 2-3 km/h, ce qui nous laissait aucun répit. Mais la journée où il a été dans le bon sens, on a su en profiter en fabriquant des voiles avec nos pagaies et nos matelas de sol. Alors, mesdames et messieurs, la voile de la dernière chance. Étienne en a une pareille à l'arrière. Étienne. Vitesse maximale atteinte, 8 km/h. Alors, on a continué notre chemin toujours en direction de Gustavus pour récupérer nos équipements qui avaient été envoyés par la poste. Et à ce moment, on les a embarqués dans un hydravion qui est allé les déposer juste au pied du mont Fairweather. Nous, il nous restait 150 km de kayak à faire pour se rendre jusque-là. Curieusement, à Gustavus, il y avait encore beaucoup d'aigles, mais c'était la dernière fois qu'on allait en voir de tout le voyage. Est-ce qu'on devait y déceler un signe? Je vous laisse vous faire votre idée avec ce qui s'en vient. À ce moment, ça allait très bien. On avait 1000 km de fait, nous étions très confiants. Maintenant, la difficulté à ce moment, c'est qu'il fallait sortir du passage intérieur pour aller dans le golfe de l'Alaska, un endroit où la température est vraiment très mauvaise. Nous, on a décidé de sortir avec le courant de marée, c'est-à-dire que dans toutes les baies et les passages du passage intérieur, eh bien, il y a des millions de mètres cubes d'eau et quand la marée descend dans l'océan, eh bien, cette eau retourne à l'océan et nous, on voulait profiter de ce courant pour retourner à l'océan. Alors, on est parti à 2 heures du matin, mais à 2 heures du matin, il faisait encore clair parce que l'été en Alaska, c'est le soleil de minuit, il fait clair presque 24 heures sur 24. Alors, nous étions sur l'océan. À notre première pause du matin, nous avions parcouru 40 km, ça allait très bien, la température était idéale. J'ai regardé le GPS et on faisait 8 km/h. Ça allait très bien, on avançait même sans pagayer, juste avec le courant. Et à un moment donné, on a commencé à entendre un bourdonnement, au loin. Et plus qu'on avançait, plus le bourdonnement devenait fort. Et là, je regardais le GPS et on s'est mis à faire 9 km/h, bientôt 10 km/h. Et là, le bourdonnement qui devenait plus fort, on s'est mis à voir une ligne blanche. Une ligne blanche au loin. Là, j'ai compris ce qui se passait. C'était un mascaret. Un mascaret, c'est une immense vague créée par un courant de marée qui retourne à l'océan. C'est très rare. Mais là, il y en avait un devant nous et on allait passer dedans. Impossible d'arrêter sur le bord. J'ai dit, Étienne, prépare-toi. On a attaché nos vêtements et là, j'ai commencé à penser quelle grosseur de rouleau qui pouvait nous arrêter et qui pouvait causer beaucoup de dommages au kayak. Et selon moi, si ça dépassait 3 mètres de hauteur, on passait pas. Et on s'est approché de ce rouleau. Et chaque vague devenait de plus en plus grosse. Et là, on voyait le rouleau au loin. On a passé l'avant-dernière vague. Et là, on a vu cette immense vague avec un rouleau, mais seulement sur le dernier mètre de hauteur. Pour moi, ça voulait dire qu'on allait réussir à passer. On a planté le kayak dans le rouleau. Et boum! On est tombé dans l'océan Pacifique. Alors, c'est comme ça que la suite de notre aventure s'annonçait. Le golfe de l'Alaska a vraiment pas été tendre avec nous. Après 2 jours de kayak, une tempête qui s'est installée. On n'a pas eu le choix d'arrêter. On a pris le temps de sécher nos vêtements dans une baie, un endroit qui était à l'abri du vent.
et on a attendu la bonne température. Une première journée, puis après ça, une deuxième journée. Et là, on commençait à craindre, parce qu'après 4 jours, on avait presque tout mangé les 5 jours de nourriture qu'on avait prévu pour faire cette section de notre expédition. Ce qui fait que, du moment que la température est revenue plus douce, on n'a pas pris de chance et on est parti. Observé par des loutres de mer qui savaient peut-être ce qui allait se passer, on s'est lancé sur cet océan. Après 4 heures de kayak, le vent est devenu de plus en plus fort. La tempête revenait de plus en plus forte. Et là, on a eu 2 choix. Soit qu'on restait sur l'océan pour fronder la tempête, ou soit qu'on arrêtait le plus tôt possible sur la plage. Mais si on arrêtait sur la plage, ça voulait dire qu'on allait fronder les immenses vagues qui vont se casser sur celle-ci. Pour nous, une solution est envisageable, la prudence. Et donc, on s'est tourné pour aller vers la plage et je laisse le soin à Étienne de vous raconter ce qui s'est passé. Un arrêt! Vous voyez les vagues là-bas, là? Bon, on voulait arrêter, les vagues commençaient à monter, on s'est dit « Oups, le vent monte, faut arrêter. » OK, on arrête. On s'en a pagayant. Je m'en reviens, mais je vois de quoi qui roule en arrière. Les petits frettes, d'orculons. Le devant levé, ça commençait à descendre tranquillement. Plus capable de pagayer d'orculons. Le kayak commençait à descendre. Ça a viré ça, de côté. La vitesse, pognait. Puis on est fini à eyesight. Moi et Fred dans le blanc, jusqu'aux épaules. Da-da-da-da-da. Jusqu'à sa beach. Un méchant surf. Puis ça aurait pu être pire. On a pété notre gouvernail. Méchant surf! Nous étions contents d'avoir réussi à arrêter, mais là, on avait de gros problèmes. Le kayak était brisé, la tempête ne faisait que commencer. Il nous restait seulement une demi-journée de nourriture pour parcourir les 30 km jusqu'à notre ravitaillement. Kayak, conditions sont pas trop bonnes. La seule solution envisageable, c'était de repartir le plus tôt possible et donc à pied. On a fait l'inventaire de nos équipements qu'on avait besoin pour continuer l'aventure. Et étant donné qu'on n'avait pas de sac à dos pour les transporter, eh bien, on a pris des bouts de matelas de sol, des cordes et des sacs étanches pour se faire des sacs à dos de fortune. À ce moment, tout l'équipement de kayak a été pris, rassemblé et grimpé sur la butte que vous voyez derrière. Une longue marche s'amorçait. Longue marche parce qu'avec des sacs à dos de fortune, à marcher dans le sable mou, c'est très difficile. Et surtout parce que la zone qu'on devait traverser, c'est la zone la plus peuplée en grizzly de toute l'Amérique. En fait, sur certaines cartes, cette zone est identifiée en rouge. En rouge parce que l'homme n'a pas le droit de s'y rendre. Mais trop tard, on était là et on n'avait pas besoin de cartes pour nous dire qu'il y avait beaucoup de grizzlies à cet endroit, parce que des traces, il y en avait partout. Ce qui peut donner des rencontres assez stressantes quand on tombe sur une mère avec son petit. Une mère avec son petit. On va avancer tranquillement, puis on va crier « Hey oh, on est là! » « Hey oh! » À ce moment, notre idée, c'était de longer la plage et de réussir à passer devant ces grizzlies sans les déranger. « Hey oh! » Voyez tranquillement. «
dans le Desperate. Je peux pas nous sentir. Encore. On a quand même une bonne distance. On longe à la plage. Ça me va bien. C'est curieux si t'étais là. On va y être tranquillement, ok? Vous avez une santé. Attends, moi, checker. Oups. La bouche. C'est un ours malheureux. Ouf là, ils sont petits. On recule-tu pour donner une distance? Elle veut nous sentir, mais elle peut pas. Une autre défaite. Troisième en deux jours. Ben, quatrième. Ainsi de suite pour une journée qui a été très longue. Très longue parce que le terrain devenait de plus en plus difficile et surtout à cause de notre choix de prendre un raccourci à travers bois. Raccourci qui s'est transformé en enfer de marécage infesté de moustiques. Évidemment, on criait encore pour se faire entendre par les grizzlies dans la forêt. Et le soir, exactement à l'endroit où on avait décidé de monter notre tente, qu'est-ce qu'on voit encore? Un grizzly. Commentaire. Oh! Fatigué d'une grande journée de marche, puis un ours, là, c'est comme, oh, pourquoi, là? Tu sais qu'il s'en va, mais ça te tente pas, là. C'est ça. Une bonne journée de marche. Le lendemain matin, j'étais réveillé pendant qu'Étienne dormait encore. Et là, on a entendu le bruit d'un animal qui descendait directement de la montagne vers notre tente. Moi, j'ai pensé que c'était le grizzly qui avait décidé de nous attaquer. Et là, l'animal est arrêté juste à côté de notre tente. On l'entendait respirer, c'était très gros, il n'y avait pas de doute. Une seule chose à faire, aller voir qu'est-ce que c'était. Un orignal. Ça prend du orignal spray? Il a l'air moins peureux que les ours. Imaginez le bruit qu'un orignal peut faire en courant dans la forêt. Eh bien, en fait, c'était pas un orignal, oh, il s'en va. Mais trois. Non sans problème, on a pris possession de nos équipements pour la suite de l'aventure et évidemment de notre nourriture. Des équipements qui allaient être complètement différents pour la suite de l'aventure. Là, on s'en allait dans le froid. Dans la glace. On avait des cordes, des raquettes à neige, crampons, piolets, des bottes d'hiver, des manteaux de plumes,
des équipements de camping et 21 jours de nourriture pour deux personnes. C'était le début d'une nouvelle aventure pour nous. Nous avions 75 kg d'équipement chaque. Vous allez croire que c'est beaucoup de poids pour une personne, 75 kg, mais dites-vous que quand moi je fais de la montagne, je coupe le manche de ma brosse à dents pour réduire le poids que je porte. Et appliquer cette règle à tous nos pièces d'équipement et à la nourriture, et ça vous donne une idée à quel point tout est calculé minutieusement. Nous avons fait, après 10 heures de marche, un dépôt sur le glacier. Et ensuite, nous sommes redescendus à la tente le soir pour dormir et faire un autre voyage le lendemain. Une journée de 12 heures venait de se terminer. Étienne, ouais. Réveille-toi! Je suis réveillé. Étienne, t'es difficile à réveiller le matin. C'était un peu mon travail de le réveiller, de faire le déjeuner, et lui, ben, il se reprenait en faisant le dîner et le souper. Étienne, lève-toi! Bon matin. Bon matin. C'est dur un matin. Pourquoi c'est dur un matin? Si les journées sont longues, on se couche tard puis faut se lever de bonne heure pareil. Pour une autre journée qui va être longue. Ici, remarquez, j'ai pas fait d'arrêt sur image. Départ du camp 1 pour aller sur la Desolation Valley. Go! Fallait qu'on suive la base du glacier comme ça jusqu'à Fairweather. Et puis,
Là, on se rend compte qu'il y a une falaise sur le bord comme ça. Et puis que le glacier est fondu, c'est rendu un lac. Chose très différente de quand ça a été fait la dernière fois, il y a 20 ans. Je sais pas, pour peut-être accéléré par la fonte des neiges. Alors, on va essayer de monter la falaise sur le côté pour essayer de trouver un passage en espérant que ça passe parce que c'est pas mal la seule place ici où est-ce que on peut se rendre à Fairweather. Attention! C'est assez instable. Fais attention. Attends-moi. Ouais. J'arrive. C'est que ça. Ouais, ça déboule. Oh, mais on peut faire ça, ça se fait à l'âge, mais avec des packs de 70 livres fois deux voyages aller-retour. À ce moment, nous sommes retournés au camp 1 pour penser à la suite de l'aventure. Et ce soir-là, on savait très bien que nos chances d'atteindre le mont Fairweather étaient réduites de beaucoup à cause d'un glacier qui était devenu un lac. Mais on se disait qu'après tous les efforts qu'on avait mis pour se rendre jusque-là, on n'allait pas abandonner au premier problème. Et le lendemain, on allait essayer de trouver un autre chemin. C'est le temps d'explorer la montagne. Explorer la montagne, pour nous, ça voulait dire gravir les falaises que vous voyez au bout. On a fait deux longueurs de corde, mais on a dû se rendre compte que sans moyen de protection pour s'attacher sécuritairement à la montagne, c'était trop dangereux. Alors on est retourné au camp 1, et pour une troisième journée, on a essayé de trouver un autre chemin. Et ce chemin nous a amené sur un autre glacier qui n'était pas fondu et qui menait vers le mont Lituya, la montagne voisine du mont Fairweather. Mais là, à chaque jour, la température devenait de plus en plus chaude et avec la température, la chaleur, eh bien, sur le glacier, il y a les avalanches. Mais on se disait que tôt ou tard, la température allait revenir à la normale et on pourrait continuer notre expédition sans problème. Alors on a continué pour traverser ce que vous voyez au bout. Ça s'appelle une barrière de séracle. C'est d'immenses blocs de glace, gros comme un autobus. Mais plus qu'on avançait, plus que la température devenait un ennemi. Qu'est-ce qui arrive, la fonte là, est bien progressive. Puis même en 4 jours d'attente ici, là, ça n'arrête pas de fondre, ça dégoûte. Puis les morceaux tombent. Puis même... progresser, là. C'est quoi dans une semaine, dans 2 semaines, ça va être quoi? Je pense que c'est un gros terrain de jeu. Un gros terrain. En tout cas, il faudrait sortir de ça. De là, là, dans tout de ça, là. Ce jour-là, on a connu des dangers en montagne qui dépassaient nos connaissances et nos compétences. Parce que... il commence à faire pas mal chaud ici, puis ça devient plutôt dangereux de marcher sur des glaciers quand ça fond à cette vitesse-là.
Dû à des conditions sûrement amenées par le réchauffement climatique, on a abandonné la partie ascension de notre aventure. On a abandonné parce que si on avait continué, bien, on aurait brisé la promesse qu'on avait faite aux gens qui nous ont encouragés dans ce projet, mais qui souhaitaient par-dessus tout nous revoir en santé à la fin de l'aventure. Et ça, on l'avait promis. Mais c'est comme ça l'aventure, hein? On a un projet, une idée, et on fait de notre mieux à chacun des pas pour se rendre, mais on n'est jamais garanti de ce qui peut se produire en cours de route. Je pensais gravir une grande montagne, mais en fait, je suis revenu avec une grande leçon. Le sommet, c'est seulement l'image de chacun des pas qu'on fait pour se rendre jusqu'à lui. Et c'est ces pas-là qui comptent. Quand je regarde cette aventure-là, je me rends compte que j'ai eu du plaisir. J'ai réalisé un rêve. Je voulais vivre cette aventure et je suis allé. J'ai adoré l'Alaska. Et une chose qui est certaine, c'est que le Mont Fairweather, il va être encore là pour plusieurs années. Et si j'y retourne, un jour, eh bien, ce sera avec mon ami Étienne. On est partis tous les deux traverser le pays. Parti s'amuser un peu comme si nous étions petits. On est parti traverser le pays, on est parti. On s'est rendu à la rivière, on a ramé jour et nuit. On s'est retrouvé dans la mer, dans un bateau tout petit. On est parti ramer jour et nuit, on est parti. Sur notre chemin, la tempête, le froid, les grizzlies. Mais la montagne, dedans ma tête, disait venez mes petits. Et on est parti marcher jour et nuit, on est parti marcher jour et nuit. Un matin sur le glacier, le soleil est sorti. Les rayons chauds l'ont fait pleurer, un peu nous aussi. On est reparti marcher jour et nuit, on est reparti ramer jour et nuit. Si la montagne est bien gelée, nous irons la gravir. Et toi à mes côtés, nous irons terminer ce qu'on a commencé. Cette jolie randonnée. Oh, oh, oh.
Alors, allons voir si je suis tombé à l'eau finalement. Et je suis... pas tombé. Mais inquiétez-vous pas, il y a d'autres moments où est-ce que je suis tombé. Dans chaque expédition, on finit toujours par oublier une pièce d'équipement. Et dans notre cas, c'était l'ouvre-boîte. Mais par chance, on peut ouvrir une canne avec un couteau. Mais ça, c'est la mauvaise façon de le faire. Les prochaines images sont la preuve que les petites bobites peuvent faire peur aux grosses. Mangez-lui, hein. Cru. On les mange cru comme un facteur de risque.